Alger chaîne 3, le journal. Bonjour. Bonjour Hajj, bonjour à tous. Prise en charge des malades atteints de cancer, le chef de l'État ordonne de préparer un décret présidentiel pour lever tous les obstacles liés à l'acquisition de médicaments, d'équipements et des réactifs. Le ministère de l'Industrie met en garde tous les intervenants dans la chaîne du médicament contre toute pratique susceptible de provoquer des pénuries. 150 entreprises nationales sont présentes à Doha pour la première édition de l'exposition des produits algériens en Qatar. Et la ligne Béchar Oran sera remise en service la semaine prochaine. Les travaux de réhabilitation ont pris fin suite aux dernières intempéries. L'armée sioniste a commis un nouveau massacre hier dans le nord de Gaza. Au moins 63 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines de blessés. En sport football, USM Alger est leader avec le Mouloudia d'Alger après sa victoire à l'extérieur devant le AS Mostaganem, un but à zéro. Bonjour à tous. Le président de la République, Majid Tebboune, a ordonné de préparer un décret présidentiel afin de lever tous les obstacles liés à l'acquisition de médicaments, d'équipements médicaux et des réactifs pour les soins des malades atteints de cancer. La prise en charge des enfants par le biais de la CNAS a été également abordée hier par le chef de l'État. Instruction donnée lors d'une séance de travail avec les membres de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer qui a présenté à l'occasion son programme d'action 2024-2028 reposant sur 5 axes. Les détails avec le président de la commission, le professeur Adda Bounidjal. Le premier, la prévention. Le deuxième, le dépistage. Le troisième, le diagnostic précoce. Le quatrième, la prise en charge des malades cancéreux et le parcours des patients. Et enfin, le cinquième, la recherche en oncologie. Le président de la République a donné instruction pour préparer un décret présidentiel dans le but de prendre en charge et lever toutes les entraves en relation avec l'acquisition de médicaments, des équipements médicaux et de diagnostic. Il a également donné son accord et aussi des instructions au ministère du Travail par le biais de la CNAS pour la prise en charge du traitement par radiologie des malades en oncologie pédiatrique. Et pour répondre aux besoins du marché national en médicaments d'oncologie, le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a tracé une stratégie en encourageant les producteurs locaux à produire certains médicaments. C'est ce que dit Chilif Deliah, directeur général de l'Agence nationale de médicaments. Il est au micro de Hassan Chemesh. Il y a eu une priorisation d'abord par rapport à la fabrication locale. Donc nous avons des opérateurs qui ont investi énormément dans leurs usines pour la fabrication de ces formes de l'oncologie. Et ces produits-là aussi bénéficient au niveau de la NPP d'un couloir dans le cadre d'un traitement en fast track parce que c'est de la production nationale et la production nationale, le but est la substitution à l'importation. Nous avons pu, sur certains produits, faire gagner l'État algérien à $10 millions. Et ils sont actuellement disponibles sur le marché. Et il y a également cette mise en garde du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique contre tout comportement susceptible de provoquer une pénurie de médicaments, que ce soit du côté producteur, grossiste ou détaillant. Le département de Ali Aoun rappelle dans un communiqué que la loi prévoit des sanctions à l'encontre des contrevenants. Dr Belabas, chargé de la direction pharmaco-économie et présidente de l'Observatoire national du médicament, parle à Saint-Chemesh. Rappeler à l'ensemble des opérateurs intervenant dans la chaîne du médicament, producteurs, importateurs, distributeurs en gros et pharmaciens d'officine, que toutes les pratiques commerciales susceptibles d'entraîner des tensions et ou des ruptures d'approvisionnement de certains médicaments en n'importe quel point de territoire national sont strictement interdites et sont passibles de sanctions administratives, financières et pénales conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Par ailleurs, un portail web est à la disposition de tous les intervenants dans la chaîne du médicament pour toute dénonciation ou réclamation contre toute forme de pratique commerciale illégale concernant le médicament. Docteur Belabas, chargé de la direction pharmaco-économie et présidente de l'Observatoire national du médicament, au micro de Hassan Chemesh. Une nouvelle opportunité aux produits algériens pour s'exporter et se faire une place sur les marchés internationaux. 150 entreprises nationales sont présentes à Doha pour la première édition de l'exposition des produits algériens au Qatar, inaugurée hier par le ministre du Commerce et son homologue qatari. Cette manifestation vient renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays. C'est ce que dit Taïb Zitouni, le ministre du Commerce.
Cette exposition vient parachever la feuille de route entre l'Algérie et le Qatar pour renforcer un véritable partenariat pour des échanges commerciaux gagnant-gagnant. Cette première foire connaît la participation de pas moins de 150 entreprises algériennes de tous les secteurs productifs. Elles présentent des produits de qualité très prisés, notamment à travers leur contribution à notre autosuffisance alimentaire, ce qui nous permet d'exporter. On a déjà atteint les 7 milliards de dollars et on ambitionne de porter nos exportations à hauteur de 30 milliards. Ambition sur la base de ce que nous produisons et aussi sur la base de l'apport de nos partenariats avec le Qatar ainsi que d'autres pays. C'était le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni. Bonne nouvelle pour les usagers du train Béchar Oran. Endommagé par les intempéries de septembre dernier, cette ligne sera remise en service la semaine prochaine. Les travaux de réhabilitation sur un tronçon de 20 km ont pris fin dans un délai record, selon le ministre des Travaux publics en visite hier, Lakhdar Akhlour. Monsieur le Président de la République a donné des instructions pour que cette ligne soit remise en exploitation dans un délai d'un mois. Les gens se sont mobilisés, toutes les entreprises se sont mobilisées pour répondre à ces orientations. Donc, en visitant ce projet, nous avons pu donner le point de départ pour la remise en exploitation. Le point le plus important qu'on a eu à visiter, c'était un ouvrage d'art qui a connu un effondrement, notamment au niveau de la pile centrale. Le personnel et l'encadrement de ces entreprises, et notamment la société Seror, Serouest, Ocider et Infrarail ont fait des prouesses. Sur cet ouvrage, spécialement Seror a utilisé une technique particulière, conjoncturelle, propre à cette perturbation et ils ont pu réparer cet ouvrage dans un délai qui est de l'ordre d'une vingtaine de jours. C'est une prouesse et je félicite tous les cadres et les travailleurs de cette entreprise et l'ensemble des entreprises qui sont intervenues sur cette ligne qui aujourd'hui ont fait passer le train sur toute la partie qui a été endommagée et à partir de début de la semaine prochaine, le réseau sera mis à disposition pour le transport commercial. Des propos recueillis par Hamid Belkassem. Le gouverneur de la Banque d'Algérie est à Washington. Salah Ad-Din Taleb prendra part aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale et prononcera une allocution, un rendez-vous des financiers du monde entier où le débat portera notamment sur la réforme du Fonds monétaire international. Et à suivre dans l'invité du jour, après le journal, Naïm Mendil recevra Boubacar Selami, fiscaliste. Il en sera question des dispositions fiscales annoncées dans le projet de loi de finances 2025 et la amélioration du recouvrement fiscal. L'armée sioniste a commis un nouveau massacre hier dans le nord de Gaza. Bilan lourd, 63 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines de blessés alors que tous les hôpitaux sont à l'arrêt sauf l'hôpital Kamel Adwan qui a du mal à prendre en charge tous les blessés. Et selon l'ambulancier et secouriste Mohamed Tamous, l'armée d'occupation pousse la population du nord de la bande de Gaza à se concentrer dans la zone de Beit Lahia réduite à 1 km². Son témoignage j'ai recueilli par Nesrine Dahmoun. Tous les hôpitaux du nord de la bande de Gaza ont cessé de fonctionner, à part Kamal Oudouani, qui reçoit beaucoup de blessés, mais qui ne comporte pas suffisamment de personnel pour les soigner tous. Les corps jonchent les rues, on ne peut pas les récupérer à cause de la situation sécuritaire dangereuse. L'armée d'occupation nous tire dessus systématiquement. Les massacres n'ont pas cessé, il y a des tueries chaque moment, chaque minute. Chaque heure, tous les habitants du nord de la bande de Gaza sont dorénavant encerclés dans la petite partie de Beit Lahia, soit plus de 100 000 personnes encerclées dans une zone qui ne dépasse pas le kilomètre carré. Et au Liban, au moins 7 frappes sionistes ont visé la banlieue sud de Beyrouth hier soir, a indiqué l'Agence nationale d'information libanaise Ani. Quelques heures après, une frappe qui a aplati un immeuble, précisant qu'un hôpital a subi également d'importants dégâts en raison de la force du missile tombé. Les participants au deuxième forum syndical international de solidarité avec le peuple sahraoui ont appelé au terme de leurs travaux au camp de réfugiés d'Ouserd. Ils ont appelé l'ONU, l'Union africaine, la communauté internationale à assumer leurs responsabilités devrait accorder au peuple sahraoui son droit à la liberté et à l'indépendance. Le secrétaire général de l'UGTA a pris part aux travaux. Amar Takjout souligne l'importance de la mobilisation syndicale dans le monde pour défendre la cause sahraoui. On écoute ses propos recueillis par Linda Hamet.
Nous, nous sommes de la partie, nous avons décidé d'engager notre organisation et de porter la voix de ces peuples où on ne peut que déplorer les conditions de vie, les pertes humaines. Donc le syndicalisme doit retrouver cette portée internationale, cette portée mondiale, son action à elle. Si on remonte l'histoire, on retrouve que l'Algérie a bénéficié aussi de cette solidarité. D'autres pays ont bénéficié de cette solidarité syndicale. Solidarité des étudiants également à la cause sahraoui. La faculté des sciences politiques et des relations internationales AG3 a annoncé hier le lancement d'une campagne internationale des défenseurs des droits de l'homme soutenant la cause sahraoui à l'occasion d'un débat animé par les militants suédois solidaires avec la cause sahraoui, Benjamin Aladrah et Sana Arotbi, qui ont parcouru 30 000 km à vélo pour soutenir la cause sahraoui. En culture, on va parler du prix Hachmi Gelwabi. Le coup d'envoi sera donné ce soir. Il revient dans sa 9e édition. Les détails avec Fatah Boumati. Cet événement culturel annuel célèbre les œuvres du regretté El Hachmi Gelwabi, préserve son héritage musical qui fait partie intégrante du patrimoine algérien et assure également la relève. Ce concours récompensera des candidats passionnés de musique chaabi provenant des 58 wilayas. Shahra Gelwabi, présidente de l'association et veuve du défunt artiste. Nous avons eu à peu près 150 candidats qui se sont inscrits, mais bien sûr il y a eu une présélection avec les membres de l'association, un jury qualifié pour arriver à la fin à garder 18 candidats à travers toutes les wilayas qui vont défiler lors de cette manifestation. Donc les trois premiers jours, il va y avoir 6 candidats qui vont passer chaque soir devant le jury, bien sûr le public. Donc il va y avoir 18 candidats avec une soirée de clôture et la remise des prix. Des hommages seront également rendus. Nous allons rendre hommage à notre diva Selwa, à Kamel Soudé, aussi la part du Shabi Kabil, Cheikh Al-Hasnaoui. La compétition débutera ce soir et se poursuivra jusqu'au 26 au Palais de la Culture Moufdi Zakaria et l'événement est ouvert au public. La mise à jour du championnat de Ligue 1 pour le compte de la 4e journée a été bénéfique à l'USMA d'Alger qui revient avec les 3 points de son déplacement à Mostaganem. Score final 1-0 alors que l'AS Ochlef a été tenu en échec à domicile par l'USM Khanchla sur le score d'un but partout. En Ligue des champions d'Europe, le Real Madrid a réussi une remontada face au Borussia Dortmund de Rami Ben Sebaini qui a été titularisé après avoir été mené 2-0. Le Real Madrid a renversé le Borussia sur le score de 5-2. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo à Jalm Saoudi.